Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Sally Cook. Regardez ce que nous allons préparer aujourd'hui. De délicieuses galettes aux croquettes de pommes de terre à base de courgettes, de fromage, très faciles à réaliser, qui raviront vos enfants. Si vous êtes prêts à faire cette recette avec moi, il y en a bismillah. Bismillah, donc pour réaliser ces délicieuses rosties ou galettes de pommes de terre et courgettes. Vous aurez besoin donc là moi c'est par rapport aux quantités de ma petite famille donc trois grosses pommes de terre que j'ai fait cuire tout d'abord dans l'eau et que j'écrase comme ceci. Vous aurez besoin donc je vais vous dire les ingrédients au fur et à mesure pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc vous écrasez bien. On va mettre un petit peu de thym. J'ai déjà mis du sel. Donc le thym, ça va bien relever le goût. On va mettre, moi j'ai un petit oignon comme ceci que j'ai haché très finement. Voilà. Une courgette que j'ai épluchée et que je vais hacher comme ceci à la mandoline. Avec la partie la plus grosse. Et vous allez voir, c'est une recette très simple et que les enfants aiment bien. Ça permet de leur faire manger quand même des légumes sans qu'ils s'en aperçoivent de trop. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, on va casser deux œufs. Alors, la quantité des œufs, c'est en fonction de la quantité que vous aurez mis de pommes de terre et de courgettes. Donc, moi, pour ma quantité, donc une courgette et trois pommes de terre, ça va aller. Donc là, à ce moment-là, on va mettre un peu d'ail. Et vous pouvez vous mettre du poivre si vous aimez. Enfin, les condiments que vous aimez. Je vais rajouter aussi du fromage. Donc moi j'ai choisi de la mozzarella que je vais râper aussi. Bon, c'est pareil, la quantité de fromage, c'est vous qui choisissez en fait. Enfin, en fin de préparation, on va rajouter 2 cuillères à soupe de farine pour assécher notre mélange. Donc pareil, hein, la quantité de farine, c'est en fonction du mélange de la quantité de pommes de terre que vous avez, de courgettes. Voilà, de manière à ce que ça ne soit pas trop liquide et que ça forme bien une boule de pâte. On va procéder tout de suite à la cuisson. Donc là, j'ai mis ma poêle sur feu doux, prélevé. Une boule comme ceci. Vous pouvez vous aider comme moi d'un emporte-pièce. Voilà le résultat, mes chers amis, de mes rostis ou mes croquettes pommes de terre courgettes. Délicieux, j'ai goûté. Alors, j'en ai une douzaine, 12, voilà. N'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé cette recette et abonnez-vous. Et surtout, bienvenue à mes nouveaux abonnés.